Voilà, c'est la fin de ce forum 2013. Je vous remercie tous d'être venus. On était nombreux, j'espère que c'était bien. D'ailleurs, vous avez maintenant du travail, beaucoup de travail. Vous devez aller sur John Dean, sur cette URL cryptique, et commenter les talks et la conférence. Nous, on attend beaucoup après votre retour. Les conférenciers attendent beaucoup, beaucoup. Après votre la FUP, c'est plus de 10 ans de vie associative, c'est vous avez non 13 ans pardon. Okay. Bon, j'ai un membre fondateur en face de moi qui me corrige. Tais-toi, 13 ans. Qu'est-ce qu'on a besoin pour que la FUP vive? De quoi on a besoin pour que la FUP vive? On a besoin que vous adhériez à l'association. Adhérer à l'association, c'est tout bête. Vous allez sur afup.org, vous cliquez sur adhérer. Vous payez 25 euros par an. Qu'est-ce que c'est 25 euros par an? Pardon? Voilà, envoyez des sioux. Vous pouvez faire adhérer votre entreprise. C'est encore mieux. Et limite, c'est encore moins cher. C'est 100 euros par entreprise. C'est rien du tout. Et ça, vous pouvez inscrire 3 personnes dans votre entreprise comme personne physique. Ça vous offre des réductions très importantes à nos événements. 100 euros de réduction sur les entrées de nos événements en général. Accès à une mailing list entraide, emploi et des invitations à tous nos événements, rendez-vous à FUP, apéro PHP, qui sont conduits dans toute la France. Donc vous pouvez suivre notre compte Twitter, notre compte Facebook, vous pouvez vous abonner à notre compte YouTube, vous allez voir toutes les vidéos qui sont prises en ce moment même, j'espère dans un mois maximum, un petit mois, pas vrai Julien? Julien, un petit mois? Petit mois pour les vidéos? Moins? Bon, ok, il le dit, moins. Et qui seront les vidéos du forum qui seront publiées. Et puis, la FUP recrute, un travail très dur, très pénible, payé 0 euros. Donc, nous recrutons un groupe de travail thématique. Notre exécutif est séparé en 4 pôles. On a un groupe sponsor qui est chargé de s'occuper des sponsors. Je ne sais pas si ce groupe a bien travaillé. J'ai essayé un peu de sonder les sponsors qui étaient présents. Bon, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas trop mécontents, j'espère qu'ils m'ont pas trop menti. Et on a besoin de gens pour contacter plein de sponsors, faire des tas de démarches, des dossiers, ce genre de choses-là. On a un groupe logistique qui a besoin de beaucoup de bras, qui est ce groupe logistique que je tiens à remercier particulièrement, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu mettre en place cet événement. Un groupe conférencier, mené de main de maître par notre vice-président Fabrice, qui est allé chercher avec les dents les magnifiques conférenciers que vous avez pu voir. Et un excellent travail, merci de tout le groupe, avec Maxime, Rodolfo et Claire. Et un groupe outil, le groupe outil, en particulier Michael Perrault, que je remercie personnellement, qui travaille beaucoup, qui fabrique tous les outils informatiques qu'on utilise au quotidien. Il y en a que vous voyez, il y en a que vous ne voyez pas. Pour gérer l'association et les adhésions. Et si vous voulez faire participer à un groupe, n'importe quel groupe, vous pouvez adhérer à la FUP et vous pouvez envoyer un mail à bureau@afup.org en disant je souhaite m'investir en fonctionnement de l'association. Notre prochain événement, c'est le PHP Tour à Lyon. Le site est déjà prêt. La salle est réservée. Ce sera, je ne me rappelle plus la date, le 24 et le 25 juin. 23-24, voilà. J'ai pas mes lunettes, c'est l'enfer. Vous pouvez aller sur phptour.org, vous avez toutes les informations. On a besoin, l'appel à conférencier est ouvert si vous voulez faire comme les gens que vous avez vus aujourd'hui, ou si vous voulez refaire des cours sur être conférencier, vous pouvez déjà remplir le call for people. Et maintenant, je vais laisser la parole à Fabrice, pour un exercice qu'il va adorer. C'est les remises de nos derniers prix pour les gens qui ont participé à notre concours photo sur Twitter. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas forcément au courant, j'espère que vous l'étiez tous, il y avait un concours photo lors du forum PHP, tant que vous taguiez, donc avec le hashtag forum PHP. Et donc il y a 5 gagnants, les 5 gagnants ont gagné... Un éléphant en bois offert par... Comment s'appelle-t-il? Emmanuel Patou, qui n'est pas là, mais que je remercie vraiment, qui nous a fait des magnifiques éléphants en bois. Et les gagnants peuvent prendre un éléphant en bois et une peluche, verte ou rouge. Voilà. Donc félicitations déjà aux deux premiers gagnants, si je ne me trompe pas, Quentin Somasi, pour son exposé de tout ce qu'on peut faire avec les... Où est-il? Il est chez lui. Ah, on va le mettre de côté. Julien Allaire pour sa tour qui tient quand même sur 3 étages. Julien.
Ah, est-ce que t'es sûr de toi? Gérard Dos, pour ses éléphants alcooliques. Il est là, bravo Gérard. Il a beaucoup travaillé, c'est beaucoup de travail. Alors. Et Prims. Pour son éléphant artiste et Do, Adam, Bethany, Do. Bethany, voilà, bravo. Bethany pour le plus geek de tous. On peut les applaudir. Bravo. Et voilà, il me revient à moi de remercier tous les gens qui ont fait de cet événement quand même. Voilà l'événement qu'il a été, j'espère un succès pour vous. Donc tout d'abord, les conférenciers que j'invite sur scène. Donc, si vous êtes là, les conférenciers, on aimerait que vous les montiez... Les conférenciers, the speakers, speakers comme... for the English ones, are invited to come on the stage. Voilà. Please come. Pendant qu'ils viennent, je tiens déjà à tous les remercier, à préciser pour... Parce qu'apparemment, tout le monde n'est pas au courant. Mais les conférenciers, quand même, qui font beaucoup d'efforts pour préparer le fonds de façon bénévole. Alors, certes, on les remercie avec un bon resto, mais c'est, comparé à leur effort, c'est quand même assez incroyable. Donc, on attend qu'ils soient tous arrivés. Et je tiens aussi à remercier tous les conférenciers qui sont venus de très loin. Donc, je cite là les plus éloignés. Il y avait quand même Florian, que vous venez de voir, et Dustin, qui venait de San Francisco en direct. Alessandro de ce matin qui venait de Dubaï et Larry Garfield qui venait de Chicago en direct, voilà. Et François Zenito vient de Nancy. Voilà. Et voilà, ils ont bravé tout ça pour venir nous voir et on peut les applaudir. Merci beaucoup. En anglais, thank you very much. Voilà. Oui, alors les deuxièmes personnes qui sont vraiment cruciales dans l'organisation d'un tel événement, ce sont les sponsors. Donc on les remercie vraiment tous, et en particulier ceux qui ont fait confiance en l'AFUP très tôt, ce qui a permis d'avoir de résoudre quelques problèmes de trésorerie à un moment. Et donc ce sont, mince, j'ai mal noté. C'est Open Time. Ah, c'est Open Time, exactement. Ouais, donc merci. Open Time, Oxide, Globalis, Elao, Joli Code, et puis plein d'autres. Mais voilà, les cinq qui nous ont fait confiance le plus tôt, merci beaucoup à eux. Et j'invite sur scène aussi maintenant tous les bénévoles. Tous nos volontaires. Tous ceux qui ont des t-shirts avec marqué AFUP derrière dans le dos. Et je tiens à préciser que les volontaires AFUP, oui, sont aussi bénévoles comme les conférenciers. Ils ont fait ça pour rien. Hein? Voilà, donc s'ils tiennent encore debout après avoir couru toutes ces deux journées. Ils ont transporté des mètres cubes de matériel. Ils vont le faire encore tout à l'heure. Et on peut les applaudir si, également. Voilà, merci beaucoup. Et parmi les bénévoles, il nous en manque un, c'est Aurélien Véret, c'est lui qui nous a réservé le beffroi de Montrouge et qui s'est occupé de cette réservation. Il n'est pas là et je le remercie vivement et j'espère que l'année prochaine il sera avec nous. Ouais. Merci à tous. J'en profite pour aussi remercier Julien qui est là. C'est lui qui a fait ces t-shirts incroyables qui vont faire le succès, je pense, de l'AFUP pour les 3-4 prochaines années. Et doubler évidemment nos bénéfices pour organiser des événements encore plus grands. L'année prochaine, on prend la grande salle à 1000 places. Voilà, grâce à Julien. Merci beaucoup. Merci, Romain. À très bientôt.